T'as gagné. Alors, épisode 3, allez. On a un problème. On était connasse. Pensez. Fais des toilettes mix. Ah ouais, référence à des chutes à Freddy's que vous ne connaissez pas encore. Ah bah voilà. Mais ouais, Nettrap joue canoniquement à des chutes à Freddy's. Et je sais pas si c'est assez drôle. Preview. D'accord, j'ai jamais entendu ça. L'humour gâché, c'est pas drôle en fait. Preview. Wow. C'est le seul truc qui sait dire. Ça n'a pas un Pokémon Godred. Du coup, on devrait l'appeler Preview. Preview him. Doré, waouh, quelle magnifique orthographe. Non mais t'as pas le choix, je te demande pas ton avis. Ah, c'est tellement gentil et gentil. Oh, je vais te donner des yeux, mais oh là là, il a l'air tellement con, Nettrap. En fait, du coup, en fait, quand il y pense, comment ils ont fait pour mettre ce costume? Ils ont dû enlever l'ancien costume et genre... Ah, c'est comme si t'essayais de genre changer le costume de Springtrap, tu vois. Ça devait pas être très hygiénique, quoi. Surtout que là... t'as un cadavre de 20 ans à l'intérieur. Bon. C'est tellement cool de voler des versions piano de musique FNAF sur YouTube. Je sais pas si là c'était censé être drôle ce que je fais. Ouais, ah ouais, vu la tête de Glitchtrap, c'était censé être une blague. Sauf que c'était nul. Comme toutes les blagues que je fais sur cette chaîne. Voilà, encore un exemple. Ah oui, mais je viens de m'en rendre compte, en fait, je suis con. J'ai enfin commencé à mettre des musiques, genre, que j'ai trouvé. Au lieu d'utiliser vieux trucs de film. Non mais arrête de faire des trucs glitch, c'est cringe. Allez, d'un renard psychopathe. Je me suis vraiment pas fiché pour corriger les dialogues. Juste mis sur Filmora des grosses écritures par-dessus. Ok, ce dialogue était nul. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, là il va décrire comment il voit le monde, Nettrap. But you make all me crazy, a little different from the rest. I take my pleasure from the pain.
Seine. Ah bah, cut. Ce que tout le monde voit, ce que Ned Trapp voit. Waouh. Animatronique le plus optimiste de toute ma série. Ah oui, je m'en souviens, j'ai dû cut le début de cette musique parce que bah, ça parlait de FNAF, ça n'avait aucun rapport avec la situation. Ah, l'indoctrination. Imagine si les gouvernements ils nous indoctrinaient comme ça. Ah mais mec. En vrai, est-ce qu'au moment il est pas un peu stylé? Genre introduire Lolbite comme un personnage méga cheaté. Tu vois, c'est un peu l'archétype du dieu farceur. Tu vois, genre qui est méga puissant mais qui, pour la plupart du temps, n'est pas très dangereux. Et on peut voir que je faisais ces screenshots à 17h30. Je devais sûrement revenir de l'école primaire. Ned rattrape sans ses sourcils. Ah, je m'en étouffe. Ah. En vrai, cette vidéo, elle était bien, je trouve. Malheureusement, j'ai dû gâcher la relation entre Ned Trapp et Lolbite en incluant trop de chip. On va. Je crois que c'est un épisode 4. Oh là, c'était gênant. C'était cringe, bordel. Justement, j'ai arrêté la série parce qu'on voulait pas que on m'associe avec les futures vidéos qui vont venir là. Ouais, là ça va leur relation. Bon, le design de Lulbite est dégueulasse. Oh, il y a mon easter egg. Ouais, regardez les amis, on va regarder l'easter egg. Est-ce que quelqu'un avait trouvé l'easter egg? La vidéo est finie, tu peux partir. Mais lui il est resté. Waouh! Je lui avais déjà mis un cœur, mais je lui en remets un. Merci Corentin. Ah bordel. Vous avez fini, tu peux partir. Bon, ok, bravo, tu as trouvé l'easter egg. Un easter egg, je suppose. Mais je sais, t'avais un mec qui avait laissé un commentaire aussi. Genre, rejoins-nous. Je vais expliquer après. Bon. Bah c'est ça l'introduction de du personnage mystère. It's time, Jack. Jack Trapp. Un jour normal. Ah, c'est là que le cringe commence. Mais je me basais trop sur les autres gars chalif. Et ça faisait des trucs mais gênants. Mmh.
Et continue. Et pourquoi je chante en fait? Je sais pas chanter. Ah. Ah, un autre personnage mystère, sûrement juste un historique qui va jamais rien avancer. Je t'attendais. D'ailleurs. Encore les blagues avec le pédobé. Ah, on peut entendre ce moment. Enfin, pas ce moment, cette musique légendaire au fond là, refait au piano. Attends, j'ai crédité la personne qui a fait ça en fait. Ah bah non. Par contre, j'ai mis les tags, contrairement à certains youtubeurs. Je ne vais pas mentionner de nom. Le roi Bobin. Tu vois, maintenant je vais le taguer. Espérant qu'il voit ça. Mais MDR. Genre, tu recherches le roi Bobin, tu vas trouver mi-vidéo. Ok, encore une référence à des chutes à Trilise. Waouh, c'était censé être drôle ce dialogue. Ah ouais, j'ai écrit mon propre gage chalet. Yes! Ah non, par contre, là, l'intrigue, j'avais mal faite. Vraiment. Vraiment, c'était tellement random ce moment. J'avais mal introduit. Oubliez que ce moment il existait. Le bête était jamais là. Netrapsus, c'est un gros schizophrène. Il était comme ça là, voilà, hop, hop, hop. Il était juste comme ça, voilà. Waouh, l'ombre retourne dans Netrap. Je suis sûr que ça n'a aucune connotation. Waouh, le costume bouge à la fin. Je suis sûr que c'était juste un petit easter egg et rien d'important. Ok, la blague de... Ah ouais, Gachaev, c'est Tyriset. Où sont les clés? Ah, le moment cringe arrive! Ouais! Je vais regretter toute ma série là. Mais là, on sait même pas de quoi il parle, Netrap! C'est tellement random! Oh là! Ok, c'était censé être drôle, ça, je crois. En fait, dès qu'il y a un piste stand-by, je crois que c'est censé être drôle. On parie. Alors, je suis peut-être toujours une merde en orthographe, mais... Je sais qu'il y avait une faute sur moi. Non, s'il te plaît, fais pas ça, Netrap. Fais pas ça, mec. Fais pas ça. Non. Voilà, je viens de gâcher toute leur relation. On est passé d'une relation un peu... Ouais, t'inquiète, je vais t'aider avec tes démons. À juste du... Waouh. Oh, je t'aime. Bordel, la relation a tellement été gâchée. C'est un peu comme la relation que t'as avec ton femboy gay de la rue, là. Waouh, l'ombre de Netrap qui se déplace d'un coup. Mais je me demande où elle va aller.
Waouh, c'est qui ces messieurs au fond? Ne serait-ce pas Gasté de Undertal et Bill Cipher de Gravity Falls? Et là, c'est pas moi. Waouh, on doit se remettre dans le void. Waouh, ils se battent. Waouh, ils rencontrent Glitchtra. C'est le drame. Waouh, je me demande ce que ça voulait dire. Ce n'est sûrement pas parce qu'il y a une playlist avec un lore secret dans toute ma chaîne. Pas du tout.